Excellent. Welcome, everyone, to our next panel session on The Grand Bargain. It's nice to see so many faces in person as opposed to virtual meetings, as we usually carry out. I recognize many of you from our conversations on humanitarian finance, Grand Bargain, and other topics. For those of you that don't know me, I'm Jeremy Rempel, head of humanitarian finance for ICFA. So the topic for today's sessions are obviously very close to my area of interest. And of course, it would not be a good discussion on humanitarian finance without touching on the Grand Bargain, which I think is on everyone's minds, certainly this year. As we start, just a couple of housekeeping items. We are translating. We are recording the session with translation so that it's easy for our colleagues who can't be here to access. So as we do that, we just have to remember to stay relaxed. Speak clearly when we have the mic shared on the floor. Good to take your time, make sure that we can make it clear for the translators who are working hard to make sure everyone can participate in the conversation. So just a reminder there. So the Grand Bargain, I think as most of us are aware, 2023 is something of a crossroads year in the Grand Bargain, especially for those of us who have been working on the facilitation group, quite of intense negotiation on what do we do next with the Grand Bargain, what happens next. We're at a point in time, 7 years now into the process, where we have to make some decisions on the future of the Grand Bargain. À la conclusion du Grand Compromis 2.0. Donc nous passons, c'était la deuxième étape qui devait nous aider à nous concentrer sur des engagements essentiels, des priorités telles que la localisation, le financement de qualité, qui sont bien sûr des thèmes dont nous sommes tous très conscients et qui ont fait partie de nos discussions jusqu'à présent. Je sais que lorsque nous parlons du Grand Compromis et de ses défis, eh bien, il y a une grande gamme de différentes interprétations par rapport à ce que c'est, ce que cela veut dire, nos attentes de ce grand compromis, etc. Et cela fait partie des défis auxquels nous devons faire face lorsque nous abordons ce thème. Alors, le grand compromis est le résultat du sommet humanitaire international de 2016, suite à un document de haut niveau. Too important to fail, trop important pour que ce soit un échec. Et nous sommes maintenant au stade du grand compromis 2.0. Nous nous concentrons sur des résultats plus effectifs, l'amélioration de l'efficacité et de la responsabilité, ce qui représente des objectifs de haut niveau. Mais je crois que suite aux discussions que nous avons déjà eu jusqu'à présent, ce sont des aspirations qui restent et les gens souhaitent répondre à ces attentes. Il y avait 50 engagements, ce qui représente un grand nombre d'engagements, qui ont été organisés sous 11 thèmes et avec 10 axes clés. Et je crois que, je ne vais pas les résumer, mais je crois qu'ils résonneraient avec et reflèteraient bien les discussions que nous avons eues aujourd'hui. La transparence, la localisation, le financement de qualité, l'évaluation des besoins, la réduction du fardeau administratif, le partage des risques. Il est clair que les domaines abordés dans le grand compromis restent pertinents aujourd'hui. Maintenant, nous arrivons à 66 signataires. De nombreuses organisations représentées ici aujourd'hui sont signataires de ce grand compromis. Donc, c'est un document, une plateforme, une série d'engagements dans lesquels nous sommes impliqués pour notre travail. Et bien sûr, il s'agit donc de nombreuses parties prenantes. Nous avons donc la représentation de donateurs, de bailleurs de fonds, de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, des ONG,
bien sûr internationale et locale. Donc c'est une plateforme unique qui implique toute une gamme de parties prenantes sur un plan équitable, je dirais, qui n'existe dans aucun autre système. Donc c'est une plateforme essentielle. Alors bien sûr, lorsqu'on s'engage et qu'on échange avec tant de parties prenantes, il faut s'assurer de travailler de façon collective. Nous avons le quid pro quo, donc, dans ce grand compromis qui concerne une action commune, une collaboration et le fait que nous irons plus loin ensemble dans l'espace humanitaire, bien sûr. Alors, quelles sont nos réussites jusqu'à présent? Où en sommes-nous? Comment évaluons-nous nos avancées jusqu'à présent? Je crois que nous pouvons réfléchir sur les 5 dernières années. Et je crois que nous pensons avoir fait mieux que si nous n'avions pas instauré ce grand compromis. Nous avons peut-être accéléré les dialogues et mis à l'échelle certaines actions grâce à ce grand compromis. Nous avons des domaines et des exemples de succès. Nous avons déjà entendu ce matin des indications sur nos avancées en matière de financement souple. Le financement de qualité et une allocation également moins spécifique de fonds. Bien sûr, nous maintenons l'appel à la prévisibilité de fonds et de l'accessibilité de fonds également pour nos partenaires locaux. Nous devons continuer de mettre en œuvre les engagements du Grand Compromis qui ont été conçus pour changer notre travail et faire toute la différence sur le plan national et sur le terrain. Donc, de nouveau, comment pouvons-nous utiliser au mieux la plateforme unique offerte par le Grand Compromis pour améliorer le financement de l'aide humanitaire? J'espère que nous allons pouvoir réfléchir à cette question avec les personnes sur le panel, avec les personnes ici présentes dans la salle. Et j'espère que vous pouvez, alors que vous écoutez le panel, réfléchir à des questions à poser ou aux commentaires que vous souhaitez faire aux panélistes ensuite. Donc, nous avons Madame Kelly Clements, au commissaire adjoint du HCR, Monsieur Predrag Avramovic, chef de la section des affaires humanitaires et des migrations, ministre conseil aux affaires humanitaires, la délégation de l'UE auprès de l'ONU, ici à Genève, Madame Marta Valdés-Garcia, directrice de programme humanitaire et directrice humanitaire adjointe Oxfam, et Monsieur Djinil Abdo, que nous accueillons également. Bienvenue. Donc, pour rentrer directement dans la discussion, les partenaires de l'ONU jouent un rôle essentiel en tant que récipiendaire et en tant que bailleur de fonds pour les ONG partenaires surtout. Le HCR, bien sûr, a été très impliqués dans le grand compromis, les négociations, participent à des caucus et participent au groupe facilitateur actuellement. Donc, je voudrais entendre votre point de vue en tant que représentante du HCR. Quelles sont vos attentes, vos espoirs? Que pouvons-nous espérer pour l'avenir et rendre cet outil plus efficace? Merci, merci beaucoup, Jérémy, et bienvenue à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici au Graduate Institute avec ICVA. La plateforme ICVA est toujours une opportunité pour nous de revoir des amis et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est un réseau incroyable. Nous avons un partenariat avec ICVA depuis de nombreuses années. Alors que je réfléchissais au panel d'aujourd'hui, je pensais que Yann Eglan était avec nous en tant que représentant éminent, car nous réfléchissons à tout ce qui s'est passé cette dernière année. Vous avez parlé du Grand Compromis 2.0. Donc, quelle était la notion initiale, le concept du Grand Compromis en 2016 et comment celui-ci a évolué avec 66 signataires aujourd'hui? Je sais, comme vous, les signataires qui êtes ici présents,
vous avez pris du temps pour vous engager, réfléchir aux promesses, aux engagements que cela a impliqués, à la mise en œuvre, et vous avez le temps de réfléchir au quid pro quo dont on peut parler tout à l'heure lors des questions-réponses. Est-ce que cela existe dans le scénario actuel? Il y a des discussions aujourd'hui, tant plutôt par rapport aux bénéfices et aux inconvénients également. J'ai eu l'occasion, en tant que haut commissaire adjointe, et j'ai dirigé la délégation à Istanbul, il y a des organisateurs qui m'ont donné un document pour me dire qu'ils allaient lancer ce processus. À ce moment précis, je n'étais pas très renseignée sur le grand compromis. Je savais ce que le panel de haut niveau avait anticipé au niveau des organes de l'ONU. Donc le besoin d'accroître les ressources, de réduire les besoins, etc. Mais ce qui a été une ligne transformatrice et des efforts que nous avons entrepris est de réduire et de changer, comment réduire et changer un système qui existe depuis des décennies pour mieux soutenir les personnes que l'on sert, en plaçant bien sûr ces personnes au centre de notre travail. C'était très organisé, c'était un processus assez lourd pour orienter cette transformation. Et nombre d'entre nous avons utilisé ces principes du grand compromis pour les refléter dans nos organisations. Si vous connaissez un peu le HCR, ces 6 dernières années, et je ne dirais pas que c'est une coïncidence, mais la transformation du grand compromis et du HCR se sont déroulées main dans la main. Et nous avons, presque à tous les niveaux de l'organisation, entamé cette transformation par rapport à notre structure, de rapprocher nos décisions des personnes que nous servons, de défaire la hiérarchie, bien sûr, qui existe dans notre organisation, puisque c'est malheureusement très présente dans notre organisation, au vu de notre mandat. Donc, changer la plomberie interne, comme on dit, et les partenaires avec qui nous collaborons, qui ne sont pas toujours les plus simples, et qui requièrent souvent des procédures très lourdes en matière de rapports, de processus de demande, etc. Et enfin, le troisième aspect, donc l'aspect culturel, comment pouvons-nous changer, comment nous collaborons en matière d'individus, d'organisation, de respect mutuel, par exemple. On m'a rappelé tout à l'heure, alors que je rentrais dans la salle en 2017, juste après l'accord du Grand Compromis, il y a un autre accord très important et très complémentaire au Grand Compromis, c'est-à-dire les principes de partenariat. Et nous avions déjà commencé un travail introspectif sur notre posture en tant que partenariat. Comment nous comportions-nous par rapport aux discussions sur le plan mondial, régional? Et chaque année, nous prenons la température pour voir comment nous nous comportons, comment nous agissons. Et donc, cet aspect est devenu essentiel également. Nous avons utilisé le grand compromis, Jérémy, d'une façon, et j'espère que c'est l'avenir du grand compromis. Et ne vous offusquez pas, s'il vous plaît, mais le grand compromis ne doit pas juste être un espace où l'on discute, où on dialogue. Mais nous devons vraiment réfléchir à l'objectif, à comment nous travaillons et mettre en œuvre de très hauts standards. Et nous avons pris ceci très personnellement
Nous l'avons intégré dans notre mise en œuvre du grand compromis. Je vais vous en donner quelques exemples. En 2016, nous nous sommes engagés à atteindre 25% de dépenses de programme pour des organisations et des partenaires locaux. Et nous avons dépassé cela la première année. Nous avons maintenant atteint 54% et nous pensons que nous pouvons aller au-delà. Avec les partenaires que nous avons, 84% sont des partenaires locaux et nationaux. Et ceci est une statistique fondamentale pour nous, car elle doit représenter comment nous établissons nos relations avec nos partenaires sur le plan mondial. Bien sûr, il y a des partenaires qui sont stratégiques, d'autres qui sont essentiels en matière de livrables et d'opérationnalisation. Et si nous devons remplacer le dialogue qui est de plus en plus toxique, de plus en plus polarisé, où les réfugiés sont parfois perçus comme la cause d'une crise elle-même, plutôt qu'un symptôme ou survivant de cette crise, eh bien, nous devons changer la dynamique complètement. Et pour ceci, nous avons besoin de beaucoup de partenaires. Donc, nous avons plus de 1 000 partenaires avec qui nous collaborons aujourd'hui, et cela, bien sûr, est au centre de notre travail. Nous avons changé également le système grâce au leadership de Yann. Si vous regardez notre rapport, maintenant nous avons dépassé cela, mais lorsque le rapport a été et publié, nous étions à 2 millions de personnes. Et nous avons maintenant vraiment passé un seuil pour aller au-delà de nos réussites précédentes. Nous avons donc la plateforme Cash, comme on l'appelle, et certains changements du système maintenant sont vraiment très très positifs. Nous avons des outils, nous utilisons un système similaire dans un grand nombre de pays et de façon routinière dans les réponses d'urgence, nous avons une approche commune de l'accessibilité. Et donc, lorsqu'on a 1 100 personnes qui font des évaluations différentes et qui travaillent sur une base différente, eh bien, on ne va pas réussir à intervenir de façon efficace, mais nous allons juste créer de la confusion, évidemment. Des problématiques que nous avons pris à bras le corps par rapport à la localisation, et je sais que vous en avez parlé tout à l'heure au panel, c'est quelque chose que je mets en avant pour tout le système, donc créer des partenariats avec des organisations qui sont ici représentées. C'est vraiment essentiel pour nous et de travailler ensemble également. Nous tentons de changer la façon dont nous nous engageons auprès des personnes avec qui que nous servons de façon utile. Et nous avons réfléchi à ceci au centre de notre organisation et dans le cadre du grand compromis, bien sûr. Nous avons pris des étapes et d'ailleurs, cette semaine, nous avons parlé avec notre nouveau comité de conseil qui est donc mené par qui travaille bien sûr avec les personnes les plus vulnérables, les groupes qui sont mis à l'écart, un grand écosystème de personnes qui peuvent influencer la prise de décision dans l'organisation. Et je crois que c'est une étape très positive et très, très inclusive. Nous avons changé la façon dont nous accordons les subventions et dont nous élaborons les accords de subvention. Et bien sûr, nous sommes une organisation très complexe en matière de partenariat et d'échanges. Donc, comment est-ce que nous pouvons-nous localiser et rendre plus accessibles les ressources dont nous disposons? Et nous faisons des progrès, nous faisons un effort concerté pour améliorer ceci. Et nous avons maintenant des façons et des manières spécifiques d'accorder des ressources précises à des communautés qui font un travail
En particulier, maintenant, nous avons pu mettre en œuvre plus de 70 de ces projets cette année. Et nous allons bien sûr augmenter ce chiffre en allant de l'avant. Nous avons bien sûr des fonds pour des organisations qui sont menées par des réfugiés et qui agissent pour les réfugiés. Nous nous adaptons bien sûr, adaptons au contexte local et nous tentons de transférer ce qui se passe sur le plan local et d'amener ça sur la scène internationale. Alors, je souhaite bien sûr reconnaître le travail incroyable de Yann, qui n'est malheureusement pas parmi nous, qui a fait avancer le grand compromis et qui l'a amené sur la scène internationale et politique, surtout en matière de localisation de cash, de financement de qualité, notamment, qui sont tous des domaines qui, avec nos signataires et notre communauté, nous ne n'améliorions pas assez vite. Et bien sûr, nous parlions beaucoup de technicalité et d'objectifs, mais nous, la transformation n'était pas assez rapide. Et je pense que ce que nous avons fait avec le cash jusqu'à présent et la localisation est bien, mais nous pouvons être plus spécifiques, nous pouvons être plus précis dans nos mesures, dans nos évaluations, et nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons fait comme progrès aujourd'hui. Maintenant, le financement de qualité a été amélioré également. Nous avons eu une discussion d'ailleurs hier avec nos collègues en WFP par rapport à la perception du monde pour 2023-2024. Et donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis que le grand compromis a été lancé, eh bien, le soutien moins souple a été réduit en matière de souplesse. Et je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il faut étudier de plus près et il faut que les bailleurs de fonds soient plus impliqués. Et je crois que les échanges avec les parlements, le Congrès, peut-être qu'il y a des approches qui sont trop en silo dans les actions humanitaires ou des restrictions en matière de secteurs, de régions. Et je crois que ça va au-delà de ce que nous pouvons éliminer comme frontières et comme barrières. Alors nous sommes des fans du grand compromis. Nous, bien sûr, nous sommes engagés, comme je l'ai dit, mais nous sommes convaincus qu'après 10 ans, donc 2026, et je crois qu'il faut agir de façon urgente, eh bien nous devons réfléchir si c'est la bonne plateforme pour continuer de progresser. Je crois que c'est une plateforme unique effectivement en matière de voix, de communauté, mais est-ce qu'elle est efficace en matière de prise de décision, surtout avec un groupe aussi divers? Nous avons encore beaucoup à faire, donc on ne va pas encore rédiger le chapitre de conclusion, mais nous devons quand même maintenir la pression pour mettre en œuvre l'engagement politique et l'accélérer pour aller vers la transformation. Merci. Formidable. Merci Kelly pour ces commentaires. Plusieurs choses m'ont touchée. Tout d'abord, cette question, cet appel pour que le grand compromis soit plus qu'une plateforme, ce n'est pas qu'une discussion. Nous l'utilisons pour avoir un vrai changement et ceci implique d'être spécifique quant aux étapes que nous avons déjà accomplies, mais en même temps, l'important de guider le changement culturel. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice technique, ce sont des éléments très importants qui doivent affecter la culture d'organisation de manière générale et la manière dont nous allons avancer. Des commentaires extrêmement utiles et je crois des éléments qui vont être beaucoup nous aider pour la suite également. Et donc, comme le Haut Commissariat aux réfugiés, vous êtes également très impliqué en tant qu'Union européenne dans ce processus et vous êtes très engagé
quant à comment nous guidons le grand compromis du point de vue de la facilitation et représentant les perspectives des bailleurs de fonds dans cette perspective. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment l'Union européenne perçoit le grand compromis d'un point de vue de donateur et quel est votre avis quant à chemin à parcourir et comment imaginez-vous que ceci affecte les fonds que doivent sortir de ce grand compromis. Merci Jérémy et bonjour chers collègues, je suis ravie d'être ici avec vous. Et effectivement, l'Union européenne et particulièrement sa branche humanitaire, DG ECHO, que j'ai eu le privilège de représenter à Genève, ont soutenu le grand compromis depuis sa conception en 2016. Et ceci parce que nous avons Kristalina Georgieva qui était coprésidente du projet de financement humanitaire et a été à mettre cette pièce en accord et nous sommes restés dans ce processus depuis le début pour continuer l'engagement continu du secrétariat ici et le groupe de facilitation ainsi que beaucoup des processus et dialogues. Clairement, pour nous, la valeur ajoutée de cette initiative est très claire. Le grand compromis est l'initiative la plus inclusive pour s'assurer de l'efficacité de l'aide de l'action humanitaire. Et ce n'est pas seulement une manière de structurer les acteurs locaux, internationaux, gouvernementaux et non, les donateurs, les mouvements de la Croix-Rouge et les Nations Unies. Nous n'avons pas un autre espace où discuter de ceci, donc au-delà des objectifs d'efficacité, d'utiliser ces plateformes pour faire avancer, améliorer les aspects systémiques et l'efficacité pourrait être le chemin à parcourir. Et bien entendu, aujourd'hui, les fonds sont bien plus importants qu'ils ne l'étaient en 2016 et bien plus que quand l'accord a été complété. Nous avons besoin de continuer à travailler sur tous les aspects, le rapport sur le financement humanitaire pour améliorer les fonds, réduire les besoins et également pour faire plus avec ce que nous avons. C'est là l'objectif en termes d'efficacité et l'appel du grand compromis. Et bien entendu, comme Jérémy l'a dit, beaucoup de progrès ont été faits sur certains de ces éléments, mais beaucoup de choses restent encore à faire en ce qui concerne particulièrement la localisation et la qualité des financements. Je voudrais illustrer un petit peu comment nous avons essayé et continué d'avancer sur ces sujets et essayer d'aller regarder dans la boule du cristal pour essayer de prévoir le futur. Alors, en tant que donateur, ECHO essaye de faire au mieux pour remplir ses engagements. Et je suspecte que ICVA a invité les partenaires les plus difficiles en tant que donateur ou agence onusienne pour parler de ce sujet avec la logique que si nous pouvons le faire, alors tout le monde pourra le faire. Alors permettez-moi de parler des financements de qualité et de localisation. Les financements de qualité, tout d'abord. Nous avons pu améliorer grandement notre financement multiannuel et nous avons l'objectif d'améliorer notre portefeuille de 30% supplémentaire l'année prochaine et d'améliorer les projets multiannuels, particulièrement autour de l'éducation et d'autres choses. Mais nous continuons également d'utiliser des fonds flexibles avec des partenariats programmatiques avec certains partenaires, avec les ONU, la Croix-Rouge et les ONG et nous aidons ce projet pilote, enfin ce n'est plus un pilote maintenant, nous sommes dans la quatrième année, les partenariats publics-privés d'avoir des financements multiannuels et multipartenaires pour poursuivre des objectifs politiques clés. Il est honnête de dire maintenant que pour l'instant, les fonds qualitatifs ne veut pas dire simplement de donner l'argent et que les acteurs s'en servent au fur et à mesure, mais même si nous ne pouvons pas donner des fonds qui ne soient à ce point pas spécifique en temps, mais il serait difficile que les agences onusiennes soient en mesure de vous passer ces fonds sans qu'ils soient un minimum spécifique. Mais nous sommes engagés à avancer sur ceci, avancer sur les fonds multiannuels et avancer vers des fonds qui pourraient être pour plusieurs pays. Maintenant, en ce qui concerne la localisation, et bien c'est un autre aspect clé du grand compromis 2.0 et là encore, et de soutenir les personnes sur le terrain. Et ça, et,
de réitérer notre communication de 2021, qui est fondamentalement de redéfinir notre cadre politique. Aussi important que vous le sachiez, comme vous le savez, nous devons tout venir vous rappeler que notre base légale ne nous permet pas de fournir des fonds directement pour des organisations établies en dehors de l'Union européenne. Et à part manque de fonds directs, nous faisons tout ce que nous pouvons. Et en tant que membre du caucus pour les fonds pour la décolonisation, essayons de revenir à un accord politique avec toutes les signataires pour rejoindre cette cible des 25% de fonds humanitaires aussi directs que possible et de pouvoir également répondre à la question des coûts indirects en cascade. Et nous soutenons ces objectifs également dans les fonds sur les intermédiaires et les fonds de qualité. Mais enfin, nous sommes en mesure, en procédure aujourd'hui même de publier nos guides sur la localisation qui fait la promotion de partenariats équitables avec les répondants locaux dans les contextes humanitaires. Et ce guide sera formellement proposé au Forum humanitaire européen en Bruxelles, en Monde, et je pense que à lundi, pardon, et je pense que beaucoup d'entre vous seront présents. Et ce guide avait été annoncé au forum l'année passée et il sera rendu public au forum cette année. Donc sans parler beaucoup plus de ce qui est contenu dans le guide, j'aimerais souligner quelques points néanmoins. Tout d'abord, ce guide est le résultat d'un processus consultatif et nous avons eu plus de 600 ONG qui ont contribué dans les premières phases de consultation et nous avons eu des consultations ciblées sur les versions initiales et donc ce guide ne devrait pas être une surprise pour la plupart d'entre vous. Deuxièmement, l'approche est guidée par le contexte et orientée pour inciter des approches qui favorisent la localisation des objectifs locaux. Et la localisation n'est pas une finalité en soi, puisque nous continuons à avoir des gains efficaces dans l'assistance initiale de la localisation. Et troisièmement, les objectifs clés de ce guide et pour vous, pour les partenaires éco et pour les ONG, les agences onusiennes, la Croix-Rouge et également pour tout notre personnel pour continuer, voir comment nous pouvons délivrer nos engagements pour clarifier les attentes et il sera applicable à partir du prochain cycle programmatique. Et nous essayons d'avoir par le biais de ce guide à améliorer l'impact, transférer des connaissances, améliorer l'efficacité et le partage de connaissances et nous voulons également faciliter la sortie des partenaires humanitaires internationaux en ligne avec l'esprit initial de rendre les réponses humanitaires aussi locales que possible et aussi internationales que nécessaire. Et donc ce guide permettra de reconnaître les valeurs, les compétences et les ressources des partenaires locaux et d'établir des partenariats plus équitables, y compris des partages plus équitables des fonds pour pouvoir assurer un meilleur partenariat. Et ceci permettra d'allouer environ 25% de fonds humanitaires aussi directement que possible. Et ceci voudra dire par le biais d'intermédiaires au maximum aux acteurs locaux, nationaux. Et nous chercherons pas en biais. Et pour avoir les acteurs locaux pour faire avancer le plaidoyer et travailler en plus sur le partage de risques et les renforcements des capacités. Nous espérons que ceci sera partagé avec chacune d'entre vous. Il sera en ligne aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de conclure quant au futur du grand compromis. Comme vous le savez, nous sommes membres du groupe de facilitation et nous contribuons activement aux négociations sur le futur du grand compromis. Et lundi, nous allons avec l'Allemagne en tant que membre du groupe facilitateur, nous allons organiser une réunion informelle au niveau des principes comme un niveau fondamental pour construire une dynamique vers la réunion de juin et nous aurons à ce moment-là plus de clarté quant à la direction de ce projet et nous serons en mesure d'en parler
plus en détail. Ceci veut dire que je ne peux pas, pour l'instant, vous parler de la structure, des dates, mais nous pouvons dire que d'après notre perspective, le processus du grand compromis doit continuer. Il doit pouvoir livrer quant à ses promesses initiales d'efficacité et doit répondre également à d'autres des défis auxquels nous sommes confrontés, puisque au niveau stratégique, alors que nous continuons à répondre aux engagements initiaux, nous pensons que le grand compromis pourrait être également un catalyseur vers une transformation systémique. De notre perspective, la première étape du grand compromis doit construire sur l'inclusivité du processus et sur le concept d'efficacité collaborative. Et je vais expliquer ceci. En ce qui concerne l'inclusivité, le processus doit bien sûr continuer à impliquer la communauté internationale de manière large et soutenir la participation d'organisations locales dans les processus de prise de décision, et comme tel que ça a été illustré au sein du HCR. Et également, l'efficacité collaborative veut dire fondamentalement que l'esprit initial du quiproquo, et c'est-à-dire le compromis initial entre les bailleurs de fonds et les acteurs de terrain, chacun fournissant, répondant aux attentes quant à sa partie du compromis dans l'esprit. Et ceci pourrait faire des responsabilités différenciées, puisque certains engagements ne peuvent être fournis que par les bailleurs de fonds et d'autres uniquement par les acteurs du terrain et d'autres par les deux, avec tous les acteurs de l'humanitaire qui travaillent en même temps. Et au même titre que nous sommes au sérieux quant à la livraison de nos engagements, nous espérons que les autres, nous attendons des autres qu'ils en fassent de même. Je vais m'arrêter, Enir, et je serai ravie de revenir à ceci dans la discussion qui suivra. Merci. Pedrag, j'espère que vous avez averti votre département informatique qu'il y allait avoir énormément de passages sur votre site internet suite à la publication de ce guide. C'est une formidable nouvelle et ce sera très intéressant de faire un suivi par rapport à ce travail. Et merci infiniment d'avoir partagé avec nous plus d'informations quant aux objectifs attendus. Voilà, vous l'avez maintenant dit à l'écran. Merci infiniment pour certains des suivis et pour le suivi sur un programme multiannuel, multi-État. C'est une priorité pour de nombreuses ONG et nous vous remercions de cette nouvelle importante. Je crois que c'est des formidables éléments pour notre discussion qui vont nous permettre de continuer. Merci. Et bien, tout d'abord, nous avons la parole à vous. Et nous avons nous impliqué avec de nombreuses discussions autour du grand compromis. Et nous avons travaillé ensemble quant à la question du financement du nexus de différentes zones du travail. Oxfam a également été très impliqué sur certains éléments et la cascade de fonds. Et j'aimerais me tourner vers vous. Et donc, la question d'accès à des fonds de qualité est une priorité du grand compromis. Et quels ont été certains des défis et des opportunités que vous voyez du point de vue des ONGO en ce qui concerne cette priorité du financement de qualité? Merci beaucoup, Jérémy. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, avant de passer à cette question, je voudrais, parce que je crois qu'il y a une très bonne pratique, l'idée de discuter et d'être très transparent. Et définitivement, nous avons dit que nous en parlons de notre berger de transformation. Et donc, c'est ceci d'une culture. Et malheureusement, et donc de changer les manières de travailler et les dynamiques de pouvoir est quelque chose d'extrêmement un grand défi. Et de transmettre ses affoutres. Et d'être une décision importante dans nos organisations. Et d'avancer dans notre engagement, d'avoir des réponses menées depuis le local. Nous sommes également engagés
Et donc de partager également les résultats parce que nous pouvons faire comme nous l'avons fait et nous devons voir également comment nous pouvons réduire le devoir, harmoniser le devoir de diligence avec tous les autres groupes d'ONG qui puissent faciliter le processus. Et si nous voulons être plus efficaces en tant que processus et donc nous avançons dans cette direction et en tant qu'Oxfam, nous sommes très impliqués dans ces différentes discussions au niveau sectoriel afin d'essayer d'influencer des éléments clés des objectifs de politique et ces objectifs et les fonds de qualité. Mais pour revenir au grand compromis, je vais revenir à la question des fonds de qualité dans un moment. Lorsque nous réfléchissions au grand bargain, eh bien, nous demandons si ceci est, si c'est pertinent. Nous faisons ceci depuis 6 ans et demi et il est pertinent de voir, de prendre le temps de regarder si ça fait partie, si c'est efficace tel qu'il est proposé ou est-ce qu'il faut réfléchir, transformer et il faut faire une analyse donc de ces objectifs. Il y a eu des faits positifs et le fait que nous soyons ici aujourd'hui en train de parler du grand compromis est déjà quelque chose de positif. Et si nous voulons changer et transformer le secteur, si nous voulons changer et transformer le secteur, et qu'il faut qu'une partie du secteur, et nous ne pouvons pas transformer le secteur sans être vraiment inclusif et sans avoir des conversations au niveau des pays, là où l'action a lieu. Et donc, je crois que si je peux prendre un des grands succès du grand compromis, et que le réseau des organisations qui en font partie, qui s'y réfèrent et qui font entendre leur voix est maintenant plus diversifié que jamais, et il n'y a pas de plateforme ailleurs qui soit aussi diversifiée que cela. Est-ce que cela veut dire que le grand compromis a eu du succès? Eh bien, si je reviens vers 2016, vers les attentes que nous avions à ce moment-là, eh bien, je demande très concrètement si nous avons du succès. Eh bien, ceci pas à la hauteur à laquelle je l'espérais, et nous voulons pas autant que je l'espérais. Et donc la positivité et la possibilité du grand compromis. Et quel est l'autre élément que le grand compromis n'arrive pas à résoudre? Et donc nous voulons savoir comment nous pouvons nous servir les uns les autres. Et je crois que dans cette grande liste d'engagements et donc pour transformer le secteur. Et donc, nous nous concentrons sur les défis politiques et nous maintenons les défis politiques. Et je crois que le grand compromis doit passer à l'efficacité. Et donc, en tant que secteur, nous avons professionnalisé depuis énormément ces dernières 15 années et nous avons développé beaucoup d'initiatives critiques et institutionnelles. Et la question est de savoir si nous pouvons être plus efficaces. Je crois que oui, le grand compromis a besoin de faire un travail spécifique et de construire sur la technicité spectif et d'avancer sur des projets et des initiatives spécifiques et des institutions qui travaillent pour essayer d'apprendre de ces éléments et de toi parler de la redevabilité qui affecte certaines populations et les organisations qui travaillent cela et nous n'avons pas besoin de doubler le travail. Et nous avons plein de plateformes pour faire des choix pour être plus efficaces. Et nous avons besoin d'avancer. Et donc, nous avons besoin de donner des résultats ces 10 dernières années, mais au niveau. Et nous avons besoin de choisir quels sont les éléments qui vont réellement permettre de changer la question. Et nous avons besoin de répondre à ces besoins ensemble, parce que sinon, nous prenons le risque de décider que le grand compromis n'est plus pertinent, parce que si nous n'arrivons pas à le transformer, je crois que nous devons être plus malins que cela, et nous devons être très stratégiques quant au changement que nous voulons faire ensemble, afin de faire en sorte que nos objectifs soient plus adéquats et donc plus efficaces. Et donc, quand il s'agit de ces questions, nous parlons et donc de parler de focaliser sur les défis clés qui ont pris donc le cadre du grand compromis. Est-ce sommes-nous suffisamment efficaces? Je regarde notre organisation.
Dans certains aspects, nous pouvons être plus efficaces, mais en ce qui concerne d'autres aspects, nous ne sommes pas aussi efficaces que nous aimerions l'être. Pouvons-nous dire qu'en tant que secteur, nous sommes plus efficaces lorsque nous avons les personnes qui sont sur la ligne de front, qui ne reçoivent pas des fonds plus efficaces et qui ne reçoivent pas de fonds adéquats, des fonds plus souples? Et si ça implique dans les conversations qui transforment ce secteur, c'est une grande question. Et pour moi, l'efficacité commence également par ces points. Est-ce que nous mettons en place des partenariats ou est-ce que nous simplement en train de mettre en place des partenariats transversaux, mais sont-ils efficaces ou pas? C'est une question importante lorsque nous parlons de ce que nous allons faire. Je crois qu'il reste de temps et de place pour améliorer notre efficacité, pour réduire les processus administratifs, réduire la question des exigences et les processus de devoir de diligence. Il y a la question également de construction de la confiance et de la transformation de nos systèmes organisationnels. Mais aujourd'hui, je crois, eh bien, nous avons parlé des situations sans précédent. Nous avons vu avant le Covid, c'était sans précédent parce que un grand nombre de populations déplacées étaient plus haut que jamais. Mais après le Covid, ce qui était sans précédent, c'était la pandémie spécifiquement. Et l'année dernière, c'était également une année sans précédent en raison du conflit en Ukraine et ce qui se passe. Mais tout ceci n'est plus sans précédent. Nous savons que nous allons dans une direction qui nécessite notre attention et que les ressources sont limitées et que le nexus doit venir. Eh bien, pendant très longtemps, nous avons parlé de l'échec des systèmes humanitaires. Mais est-ce que le système humanitaire est-il vraiment en train d'échouer? Peut-être. Ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas la capacité de répondre à tous les besoins. Mais ce matin, nous avons entendu une collègue d'Afghanistan dire que l'Afghanistan recevait de l'aide humanitaire pendant très longtemps sans recevoir de l'aide au développement. Et l'aide humanitaire ne peut pas changer. Et nous ne pouvons pas changer la cause, la racine du besoin. Et donc, les fonds sont de plus en plus efficaces, sont de plus en plus manquants. Et nous ne pouvons pas convaincre la communauté de changement si la discussion n'a lieu qu'entre personnes du secteur humanitaire. Et donc, peut-être une zone pourrait plutôt détendre de pouvoir soutenir des questions spécifiques telles que les fonds. Nous voulons que les acteurs du développement soient moins et moins peur des risques et qu'ils s'investissent dans les communautés au même titre qu'ils peuvent couvrir les besoins assez mieux autant que le climat. Et donc, il s'agit là de cibler et de nous assurer que tous ensemble, nous sommes dans le même espace et nous amenons plus d'informations vers les groupes références dans les pays afin de guider conversation. Donc, nous avons besoin du grand compromis parce que si nous disons que le grand compromis n'est plus pertinent, nous aurons besoin de recréer une nouvelle plateforme. Donc, ne détruisons pas ce qui pourrait marcher, mais essayons de voir comment nous pourrions marcher, mieux fonctionner en assurant l'inclusivité, en affinant notre processus, en incluant de nouveaux acteurs. Et en partageant le fardeau au-delà du secteur humanitaire et également pour pouvoir créer de meilleures réponses humanitaires. Merci. Excellent, merci beaucoup, Martha. Oui, vous avez soulevé des points importants, un peu provoquants, mais c'est tout à fait intéressant. Et ce que vous avez dit, c'est l'efficacité qui est un des points principaux et des objectifs principaux du grand compromis. Et comment sommes-nous efficaces? Est-ce que nous sommes en train d'utiliser cet outil de façon efficace? Est-ce que nous exploitons vraiment les voies vers la transformation, surtout sur le plan national, en s'engageant avec les groupes impliqués. Très bien. Alors, nous allons pouvoir réfléchir au point que vous avez fait. Je vous remercie pour vos commentaires. Jamil, on ne sait pas qui c'est. Je vous donne la parole. Alors, suite à ces commentaires très intéressants de la part des autres panélistes, et par rapport à ce que cela peut ou ne peut ne pas être sur le plan national,
Bien sûr, il s'agit donc d'améliorer les personnes qui sont le plus touchées par les crises et bien sûr de mieux s'impliquer au niveau du travail effectué dans ce contexte. Donc, qu'est-ce que vous constatez par rapport au projet sur le plan national? Est-ce que vous percevez le grand compromis comme quelque chose qui est vraiment existant sur le plan national? C'est à vous. Merci. C'est un plaisir pour moi d'entendre et de voir toutes ces agences, ces bailleurs de fonds ensemble et de les voir réaliser qu'il y a donc des points à discuter autour du grand compromis pour aller vers la transformation. Alors, reconnaître bien sûr qu'il y a une problématique est le premier pas vers le changement. D'un point de vue national et du point de vue des pays, des voies locales, eh bien, je suis ravie de voir que derrière la qualité, la quantité de financement, il faut réfléchir à la qualité de financement pour qu'il soit mieux exploité et qu'il faut améliorer la souplesse également. Bien sûr, il faut simplifier les exigences, comme l'a dit tout à l'heure le panel précédent. La plupart des organisations travaillent dans des zones difficilement accessibles et il est parfois difficile pour ces organisations de franchir toutes les étapes du processus de demande. Alors, bien sûr, il faudrait simplifier ce processus, ce qui rendra plus facile l'accessibilité des ONG locales pour les aider à obtenir les fonds et ensuite répondre, bien sûr, aux besoins sur le terrain. Alors, donc, simplifier le processus de diligence raisonnable, mais également s'assurer que les fonds sont utilisés à bon escient. Il est également positif d'entendre donc des nouvelles lignes directrices qui vont donc aider les ONG locales à avoir accès au financement, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir des approbations pour que les fonds aillent directement aux ONG. Je suis désolée de devoir dire ceci, mais parfois, il est beaucoup plus simple d'allouer les fonds directement à une ONG plutôt que de passer par des intermédiaires, des agences internationales, car la plupart des fonds, enfin je dirais 30 ou 40%, vont être utilisés pour des frais administratifs alors que nous avons besoin de ces ressources. Il y a un manque de ressources et il y a des besoins croissants. Donc lorsque nous mettons en œuvre ou nous donnons accès aux fonds directement aux ONG locales, eh bien cela va bien sûr améliorer leurs réponses, va augmenter le nombre de bénéficiaires et améliorer la réponse. Sur le plan national, la mise en œuvre du grand compromis amène vers des résultats positifs, mais aussi négatifs en matière de transparence, de plans multiannuels et de processus de diligence raisonnable, alors que nous avons porté notre attention sur le besoin davantage d'investissement dans les organisations locales. Il est également important d'améliorer l'approche et la coordination. Il faut également encourager les bailleurs de fonds en matière de flexibilité et
de les aider à définir les priorités pour les communautés impactées. Par exemple, au Yémen, le grand compromis a mené à un certain progrès dans l'amélioration de la réponse humanitaire. Par exemple, il y a eu une augmentation de l'aide, donc de soutien aux organisations locales et du système de soutien sur place, une réduction des écarts dans le système. Cela ne veut pas dire que nous avons atteint tous nos objectifs, mais il y a un changement, une transformation sur le terrain. Les gens, l'organisation, ceux qui connaissent l'environnement, le contexte, les réalités, impliquent donc les communautés dans la réponse et cela mène à une efficacité accrue. Alors, par rapport à la localisation, effectivement, au Yémen, nous soutenons ces actions. Et malgré ces difficultés, eh bien, nous arrivons à atteindre nos objectifs parfois en 6 mois, parfois en 1 année. Mais c'est vrai que grâce à nos efforts de coordination, nous avons réussi à atteindre nos objectifs de base, ce qui est une étape franchie. Faire ceci donc au Yémen dans le contexte actuel de gouvernement, il y a une coordination très importante qui est nécessaire et je pense que cela ne peut pas être fait partout ni par n'importe qui. Merci. Merci, merci beaucoup pour ces commentaires et merci d'avoir souligné donc ces besoins fondamentaux au Yémen. C'est vrai que c'est un effort très intéressant par rapport aux défis d'évaluation de la localisation. Donc c'est vrai que les références et ces efforts qui ont été faits en matière de référence sont réjouissants en matière de potentiel et qui peut être répliqué ailleurs. Et merci d'avoir souligné également les inquiétudes autour des aspects pratiques quand on s'engage dans l'allègement, par exemple, du fardeau administratif. Ce sont des besoins très pratiques qui sont essentiels et il ne s'agit pas de réduire la responsabilité, bien sûr, du tout. Et je pense que nous pouvons arriver à nos objectifs en mettant en œuvre cet allègement de fardeau, effectivement, et améliorer l'allocation des ressources. Alors, suite à tous ces commentaires très intéressants de la part du panel, nous souhaitons vous donner la parole, à vous le public. Je vois déjà des mains levées, donc nous allons inviter les membres du public à poser leurs questions. Voilà, ici, tout en haut. Bonjour, je suis Hadi, je suis Direct Aid Koweït. Et je vais faire l'avocat du diable, hein, juste pour animer l'argumentation ici et poser mes questions suite aux interventions de Madame Garcia et son collègue. Alors, Madame Garcia, vous avez questionné la validité et les preuves concrètes de 2016, mais la compréhension du grand compromis est encore problématique aujourd'hui. Votre collègue a parlé et dit qu'il était plus facile de collaborer avec des ONG locales, mais pas parce qu'elles ne sont pas suffisamment exposées et accessibles. Il y a bien sûr des frais d'administration qui sont très élevés. Et maintenant, quel est le meilleur moyen de faire en sorte que les ONG internationales et locales collaborent mieux? Peut-être au niveau des partenariats, au niveau des fonds
en provenant du secteur privé ou des entreprises, ou peut-être au niveau du partage de savoir, par exemple. Merci. Excellent. Nous allons vous inviter à poser d'autres questions avant de répondre. Merci. Je représente mes collègues de l'Afrique de l'Ouest. Tout d'abord, la question concerne comment le grand compromis peut vraiment répondre et mettre en œuvre ses engagements. Il faut qu'il y ait des discussions sur le terrain. Tout d'abord, il était planifié de créer des mécanismes locaux, tels que des groupes de référence nationaux. Mais ce que nous constatons dans notre région, l'Afrique de l'Ouest, c'est que ceci n'existe pas ou si c'est le cas, il ne fonctionne pas. Comment pouvons-nous améliorer ceci? Point 1. Deuxièmement, le grand compromis pour nous est un cadre important pour les ONG locales et internationales pour leur permettre de dialoguer autour de la qualité et la quantité des finances, la qualité des financements surtout. Mais pour améliorer cette qualité de financement, il faut bien sûr améliorer la traçabilité et le flux des financements, ce qui implique davantage de responsabilité, davantage de transparence, davantage de visibilité sur les financements directs, les financements intermédiaires et quels montants sont alloués directs, devraient être alloués directement aux bénéficiaires. Merci. Encore une question de ce côté. Merci. Bonjour, je suis du Bangladesh. Nous travaillons. Donc, de mon point de vue, par rapport à la localisation, pour qu'elle soit efficace et pour utiliser et exploiter au mieux les ressources allouées, améliorer la cohésion sociale, etc. Les personnes et les ONG qui travaillent dans la réponse sont sur le terrain. Donc, dans le contexte général, nous devons réfléchir à l'amélioration de la situation. Donc, nous constatons que il y a des ONG qui mettent en œuvre directement leurs programmes, mais qui dépendent de leurs partenaires. Les CVO et les CSO sont parfois, arrivent parfois plus tard dans le scénario. Et parfois, il y a des problèmes et des lacunes en matière de ressources humaines. Selon moi, nous devons davantage les inclure dans la procédure pour que ces ONG soient engagées de façon efficace dans toute la chaîne de réponse et améliorer l'exploitation des ressources sur le plan local. Dans notre contexte, nous voyons le trafic d'êtres humains et d'autres problématiques, et les organisations locales et internationales travaillent, mais ne sont pas toutes informées de tout ce qui se passe et ne savent pas comment être efficaces, agir de façon efficace pour empêcher ce genre d'activité. Donc, il faut bien sûr faire en sorte que les contributions soient adéquates. D'un autre côté, parfois nous constatons qu'il y a un manque de compétences. Donc, il faudrait créer des connexions et des ponts entre les ONG locales et internationales pour être plus efficaces,
et surtout en matière de localisation. Je pense qu'à travers des partenariats efficaces, l'efficacité des coûts, le rapport coût-efficacité, bien sûr, je pense que cela peut nous aider à être plus efficaces sur le terrain. Alors, vous pouvez préparer vos questions. Nous allons d'abord inviter nos panélistes à répondre. Nous avions plusieurs domaines. Tout d'abord, une question concernant les points de vue de Jamil et Martha, je crois, sur la collaboration partagée entre les ONG locales et internationales. Je vous invite à répondre et ensuite d'autres points auxquels tout le panel peut répondre. Merci. Eh bien, je crois que les ONG internationales commencent à se rendre compte que l'importance des questions locales et régionales, et beaucoup d'organisations d'ONG internationales au Yémen commencent à collaborer mieux avec les ONG locales et commencent à les empouvoirer en faisant plus de projets par le biais des ONG locales. Et ce n'est pas dans le sens où ils leur donnent le pouvoir de prise de décision, mais beaucoup de travail reste à faire avec, et ils doivent chercher des partenariats égalitaires pour une meilleure collaboration. Et ceci, dès la conception du problème, l'évaluation des besoins, à partir du point zéro de l'élaboration d'un projet et de la construction de capacités également, et au moment où ils se mettent à concevoir le processus ensemble, ceci permettra d'avoir du succès. Et le succès des organisations locales ont permis de faire de formidables changements pour les ONG locales, par exemple Oxfam, Save the Children, CARE, et la plupart des ONG qui commencent à prendre conscience de cela. Néanmoins, beaucoup de travail reste à être fait, mais au moins ce travail commence. Et donc, on se rend compte qu'il y a des problématiques et la nécessité de changer. Eh bien, je crois que ce processus va ainsi être amélioré. Eh bien, quelques compléments de ma part. Alors que nous voulons avoir ces partenariats et nous travaillons sur ces partenariats plus horizontaux qui nous permettront de définir ce que nous voulons faire et que ce ne soit pas simplement des transferts de ressources et des transferts de risques, mais de mieux définir comment nous travaillons et comment nous partageons ces objectifs. Mais nous sommes en train de faire de nombreux changements. Par exemple, céder l'espace que normalement nous prenons aux acteurs locaux. Donc avant, dans un panel international, nous nous demandons toujours si nous pourrions laisser céder notre place à une organisation locale, parce que ceci est une manière de déplacer le pouvoir. Et nous essayons de nous assurer que nos partenaires aient des places à la table des espaces de décision humanitaire nationaux. Et nous avons eu de très positives initiatives. Par exemple, une que nous avons fait l'année passée en Colombie, quand en essayant de fournir une des ressources à une organisation pour le droit des femmes, non pas pour qu'elles mettent en œuvre la réponse, mais pour qu'elle fasse partie du processus de décision au niveau régional et pour pouvoir décider à quoi la réponse devrait ressembler. Et ceci devrait être très transformateur. Un bon partenariat, il s'agit de parler, d'écouter, de respecter les rôles et la volonté. Et donc, ceci a été dit ce matin, cela prend du temps, cela nécessite de la patience et nécessite de nombreux types de compétences. Et très souvent, ceci nous défie à avoir du temps et pour établir de bons partenariats. Nous essayons d'avoir des approches différentes et opérationnelles dans différentes phases si nous ne sommes pas présents, et nous essayons de transférer le pouvoir et pas seulement de transférer de l'argent et des risques. Merci Martha. Je peux redonner la parole à d'autres s'il y avait d'autres
questions. Et si vous voulez répondre à ce point, vous êtes bienvenue de le faire. Je crois qu'il y a eu d'autres points intéressants qui ont été intéressants. Un autour des groupes de référence, la structure des groupes de référence nationaux. Est-ce que ceci existe dans la pratique? Est-ce que nous pouvons faire plus en termes de changement au niveau des pays? Je crois que vous êtes bienvenue pour répondre à cela. Et également, le point final concernant des commentaires intéressants quant à la crise des Rohingyas, mais de manière générale, la discussion avec les partenaires locaux et d'ouvrions pour permettre à ceux-ci de changer afin d'obtenir des vrais changements. Je vous laisse la parole si vous êtes intéressé à répondre à une ou plus de ces questions. Oui, moi je serais ravie de commencer. Je vais commencer par une clarification importante au cas où ça a été incompris. Jamal était en train de soulever, de soulever pour donner de l'argent directement. Nous ne sommes toujours pas en mesure de donner de l'argent à des partenaires locaux localement. Et c'est toujours non plus une question d'organisation du Sud ou du Nord. Nous ne pouvons pas non plus financer une ONG basée au Royaume-Uni. Ça doit être une ONG basée en Europe, en Union européenne. Et ceci ne va pas changer bientôt. Et donc, ces questions de ces guides sont la solution que nous avons en cours. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de transférer des fonds directement, bien que nous voulions essayer d'arriver à 25% aussi rapidement que possible avec un seul intermédiaire, et c'est également ce qui a été mentionné. Eh bien, mais parfois il n'y a pas assez d'effet de ruissellement envers ceux qui font le travail de terrain, le travail clé. Nos partenaires locaux sont toujours les premiers à répondre, et ils resteront toujours les plus efficaces. Et nous essayons d'instruire nos partenaires et nos partenariats et notre équipe pardon, pour savoir comment soutenir la formation de nos partenaires avec le transfert de pont, mais également en facilitant la formation des acteurs. Et pour répondre à nos commentaires d'Afrique de l'Ouest, oui, c'est une partie importante d'avoir de la transparence quant au flux, quant au coût des structures, et de savoir qui répond à quels besoins et de quelle manière. Et je vous encourage à lire le texte initial de 2007. Tous les engagements, je crois certains de ces objectifs ont été un peu dilués ou perdus, mais tout est là. Et de croire que les questions des responsabilités différenciées, que tout le monde doit faire sa partie, et nous pouvons être un petit peu moins, pour être un peu moins exigeants quant au fond et au compte, mais les donateurs peuvent être un peu moins, les acteurs du terrain peuvent être un peu moins exigeants en termes de coûts, d'efficacité, de coûts administratifs, être un peu plus efficaces, et nous pouvons toutes et tous essayer de transférer une plus grande proportion par le biais des organisations locales. Par exemple, pour ECHO, je croyais qu'il y a quelques années, nous n'allions jamais être en mesure de contribuer des fonds, mais nous sommes maintenant en train de le faire. Et parce que ces fonds peuvent donner de l'argent directement à des organisations ONG locales. Et je crois que, en ce qui concerne les groupes de référence, je n'aurai pas beaucoup plus, mais il est important de mettre en œuvre adéquatement, localement, quelque chose qui soit spécifique au pays. Et il est important d'avoir des idées depuis le terrain, mais fondamentalement, ce sont les principes sur lesquels nous devons être d'accord, qui en juin vont être. Et nous devons ensuite les distribuer aux organisations afin que celles-ci ne soient pas laissées à des discussions individuelles et qui puissent répondre aux principes organisateurs des différentes organisations. Et c'est ainsi que nous pourrons faire des progrès plus systémiques. Je donne la parole
Ah, Kelly, je ne peux pas rajouter grand-chose parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Pedrog vient de dire en ce qui concerne les acteurs locaux. Ils sont là au début, ils sont là à la fin, et nous avons vu ceci de nombreuses fois en termes de réponses. Et donc, plus nos réseaux de réponses répondent à cela et incorporent ceci, plus nous serons efficaces. Et nous prenons l'exemple, par exemple, de la réponse aux besoins par rapport aux réfugiés. Nous voyons la diversité de ces plans de réponse et le nombre de partenaires locaux. Et je crois que c'est là, on voit, c'est ça, une bonne évolution. Et là, enfin, sur ce dernier point, par rapport aux groupes de référence nationaux, il y en a quelques-uns. Ce n'est pas un effort très organisé pour l'instant, mais je suis tout à fait d'accord avec mes collègues d'Afrique du Sud que c'est là que nous devrions aller fait pour avancer, pour s'assurer que la mise en œuvre en Afrique de l'Ouest est pour pouvoir avancer et faire plus au niveau du terrain. Et en ce qui concerne le grand compromis, c'est Ocha et Lida qui ont pris la leadership de ce projet et de trouver des solutions pour faire en sorte que ceci soit plus systémique. Merci pour ces réponses. Je crois que nous pourrons maintenant accueillir une autre liste de questions. Il y a encore quelques mains levées. Et tout d'abord ici, et ensuite nous prendrons une autre série de prises de parole ou quatre questions. Mais pardonnez-moi, ma voix n'est pas très claire. Nous allons essayer de reprendre la parole. J'espère que vous pourrez m'entendre. Merci de cette opportunité. Mon nom est Omar Jama. Je viens de Zemzem Foundation en Somalie, une organisation nationale en Somalie. Et ce dont nous parlons maintenant, le grand compromis est bon sur le papier, mais la réalité est bien différente sur le terrain. Mais nous soulignons, c'est que ça n'avance pas assez rapidement ou aussi rapidement que nous le souhaiterions. En tant qu'organisation locale, nationale, nous sommes présents, nous faisons notre travail, mais des promesses sont faites sur le papier. Mais ne reçoivent pas de réponse, ne se concrétisent pas sur le terrain. Ce n'est pas qu'une question de fond. Les partenariats de qualité, les questions de l'égalité, l'équité, les organisations internationales, les ONG internationales qui travaillent depuis des décennies sur le terrain. Mais alors que les organisations nationales n'ont pas les mêmes opportunités, n'ont pas les mêmes capacités, ne peuvent pas agir à la même hauteur. Et c'est là que nous ne voyons pas d'équité entre les partenariats. Ce n'est pas seulement une question de fonds. Les fonds arriveront alors que les agences onusiennes n'ont pas développé leurs capacités du jour au lendemain. Il y a des capacitations qui se font sur le long terme par l'injection de fonds. Et nous promettons que si l'opportunité nous est donnée, nous allons pouvoir faire un retour efficace en tant que leader. Certaines organisations. On collabore avec des partenaires locaux. Mais comment se développe ce partenariat? Quelle est la qualité des fonds et du partenariat? Est-ce que le budget nécessaire est mis à disposition? C'est parfois ambivalent. Je ne peux pas. Si une organisation internationale veut engager quelqu'un, un professionnel, mais en fait, nous ne sommes pas en mesure, nous, de faire notre travail. Merci.
Merci beaucoup. Je peux poser deux questions ici. Merci beaucoup à Iva d'avoir organisé ce dialogue et il est très important donc de poursuivre celui-ci à tous les niveaux, niveau interne, des organisations, des différents collaborations et partenariats. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais dire deux choses seulement ici. Tout d'abord, poser une question sur comment en interne, en tant qu'organisation individuelle, pouvons-nous mettre en œuvre notre désir de grandir et de nous développer en tant qu'organisation et de répondre à des problématiques? Nous avons besoin d'avoir plus d'impact et d'être plus efficaces. Nous l'avons entendu de nos panélistes. Et nous savons que les communautés impactées doivent être au centre de notre riposte. Donc, bien sûr, la question est comment allons-nous pouvoir livrer ces promesses et améliorer la vie des personnes que nous servons. Donc, comment vous, en tant qu'organisation, avez-vous cette ambition? Bien sûr, nous avons également tous des promesses collectives, des objectifs. Mais comment, en tant que ONG, pouvons-nous assumer cette responsabilité et réussir en fait à apporter tout ce que nous souhaitons et exploiter nos capacités et nos compétences, nos ressources au mieux pour atteindre nos objectifs. Merci. Merci beaucoup. Merci au panel. Merci pour ce dialogue. J'ai deux questions ou remarques, je ne sais pas trop. Tout d'abord, c'est excellent que l'Union européenne et ECHO avancent avec les politique concernant les ressources, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y reste des barrières politiques et administratives au niveau des congrès, des parlements ou de la réglementation qui nous empêchent d'aller plus loin en matière de localisation. Et cela, bien sûr, se reflète dans les agences onusiennes. Donc, nous devrions réfléchir à comment faire avancer ces problématiques au Parlement européen, à la Commission, car nous sommes la société civile. Nous avançons, bien sûr, nous arrivons à transgresser ces barrières, mais d'autres non. Ensuite, je dresse peut-être celle-ci à M. Griffith, qui était tout à l'heure dans le panel. C'est-à-dire les fonds des pays. Et c'est une façon, en fait, d'améliorer l'utilisation des fonds. Donc, des fonds qui sont communs, qui sont mis en place et qui sont gérés par le pays. Peut-être que ceci peut nous aider à gérer et améliorer la flexibilité. Par exemple, avec OCHA, il y a des barrières administratives pour créer ce fonds commun au niveau national, à moins d'avoir sécurisé plus de 10 millions de dollars pour pouvoir le créer. Donc, dans le système, nous avons nos propres barrières administratives que nous devons franchir pour pouvoir utiliser ces outils. Et chaque pays doit agir en son nom. Je dois prendre une question tout en haut. Tamara, je vais vous prendre et ensuite je redonne la parole aux panélistes.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Tamara et donc je remercie Jérémy et Igva pour cette discussion, ce dialogue, alors que nous arrivons à un moment critique pour le Grand Compromis. Très brièvement, je veux remercier les panélistes pour leur contribution très inspirante. Je crois qu'en 2016, comme il a déjà été remarqué, le Grand Compromis a défini un programme très ambitieux et nos attentes étaient très de haut niveau. Et nous pensions peut-être que d'un jour à un autre, nous avions un succès assuré, mais il s'agit d'un changement transformatif. Donc, je pense que ce que nous avons entendu de la part des panélistes aujourd'hui sont des exemples de progrès du HCR, de ECHO qui améliore ses fonds, des fonds communs nationaux, des changements de politique par rapport aux frais administratifs auprès de Oxfam, dans l'Oxfam, pardon. Et donc, je pense qu'il faut refléter sur tous ces avancements et les utiliser comme un fondement pour l'avancée, pour l'avenir. Et nous, tous les signataires dans la salle, devons réfléchir à ce que nous escomptons pour 2026. Que souhaitons-nous dire et que souhaitons-nous énoncer comme succès en 2026 en tant qu'institution? Et quelles attentes avons-nous pour 2026? Je pense que tous ensemble, nous pouvons être très puissants. Le dialogue le prouve. Donc, utilisons les 3 prochaines années pour définir nos objectifs et aller au-delà de nos ambitions des 6 dernières années. Merci. Merci pour tous vos efforts. Je pense que le changement se fait, même si c'est de façon incrémentale dans certains cas. Merci. Merci beaucoup. Donc, je redonne la parole au panel. Vous pouvez choisir à qui vous souhaitez répondre. Effectivement, il y a eu des points intéressants soulevés par le public. Merci. Et oui, je sais que nous avons dépassé également de 8 minutes. Donc, je crois que le dernier commentaire, en fait, a été une conclusion excellente. Donc, par rapport à ce qui a été dit sur le défi entre la croissance pour répondre aux besoins et la qualité. Donc, OHCR, bien sûr, c'est un problème du quotidien. Donc, nous proposons à la communauté internationale ce que nous pensons être un programme annuel ou pluriannuel. Et nous représentons donc notre perception des besoins humanitaires pour les personnes que nous servons, donc les réfugiés, les communautés hôtes, les personnes déplacées, externes, internes. Et on parle de 11 milliards de dollars aujourd'hui. Et lorsque on met tous les plans et programmes de réponse humanitaire ou autre, les besoins, comme vous le savez, sont croissants et la trajectoire est complexe. Donc, nous, à l'interne, nous luttons, bien sûr, parce que nous pensons que nous avons une responsabilité morale. Si nous constatons quelque chose, nous devons répondre, nous devons intervenir. Et si nous avons des possibilités d'offrir une protection, nous devons le faire. Mais bien sûr, c'est une organisation qui est aussi grande qu'elle est complexe et compliquée en matière de livrables. Et maintenant, nous sommes en train de retourner au fondement en matière de transformation. Donc, vous l'avez entendu de la part de Filippo Grandi, le haut-commissaire, lorsqu'il a participé à cette conférence, les problématiques sont en lien avec les solutions. Est-ce que nous nous concentrons tellement sur le sauvetage de vie, les urgences immédiates? D'ailleurs, l'année dernière, nous avons répondu à 35 sur catastrophes, alors qu'une année normale, c'est entre 8 et 10. Donc, il y a une pression sur un système. Nous sommes un des acteurs du système, mais cela veut dire que nous ne pouvons pas nous retirer, nous ne pouvons pas prendre trop de recul pour réfléchir au long terme, aux investissements auprès des communautés sur le long terme, des éléments de protection que nous pouvons apporter, ce que ça veut dire d'être auprès d'une communauté ou comment l'aider si on ne peut pas la réinstaller ou elle ne peut pas rentrer dans son pays. Donc, je ne réponds pas à votre question, mais votre question est tout à fait pertinente et je pense que nous, chacun de nous ici, en tant qu'organisation individuelle, continuons de lutter et je pense que
Si nous pouvions offrir quelque chose et que nous ne le faisions pas, eh bien sûr, on pourrait nous critiquer. Mais c'est vrai que la pression est immense et nous tentons de le faire aussi efficacement que possible. Et je vous remercie de nouveau de m'avoir accueilli ici ce matin. C'est un plaisir. Je ne pourrais pas répondre de façon aussi éloquente que l'a fait ma collègue, mais très rapidement pour la question de la Colombie qui porte sur l'Union européenne. Nous devons faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Notre réglementation juridique date de 1996 et nous ne pouvons pas changer cela du jour au lendemain. Donc nous examinons les questions et nous avons réfléchi et écrit une communication il y a 3 ans. J'ai fait partie de ce comité et nous avons décidé de ne pas revoir la réglementation car nous pensions que cela allait péjorer les avantages. Donc nous avançons avec ce que nous avons et nous pensons que les orientations en matière de localisation sont adéquates pour ce que nous permettent de travailler aujourd'hui. Par rapport aux communautés impactées, bien sûr, elles doivent être au centre de nos actions. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, comment mettre cela en œuvre? Comment le faire? Il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que certains acteurs du grand compromis travaillent sur ce point. Et pour finir sur les attentes et les grands objectifs de 2016, moi j'étais à New York en 2016 lors des négociations. Je ne pense pas que nous attendions que des choses se fassent du jour au lendemain. Et nous sommes heureux de voir et de constater qu'il y a des avancées qui sont le résultat du grand compromis. Mais en fait, la plupart des attentes relèvent du sens commun sont évidentes. Par exemple, se rapprocher des personnes en première ligne et des intervenants en première ligne était quelque chose d'évident. Mais bien sûr, nous n'arrivons jamais à agir assez vite et assez efficacement, mais nous le faisons autant que possible. Je crois qu'à l'époque, le succès a été défini comme quelque chose auquel tout le monde devait contribuer pour pouvoir avancer. Et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Très bien, d'excellentes questions, mais je souhaite faire un commentaire sur les pressions en interne et le besoin d'être différent. À Oxfam, nous n'avons pas grandi ces dernières années. Nous avons passé d'ailleurs un cap assez difficile, hein, comme tout le monde le sait, mais c'est quelque chose qui est sur la table. Devons-nous grandir? Comment allons-nous assurer notre mandat? Comment allons-nous appliquer la localisation? Et la solution que nous avons trouvée, c'est d'ouvrir la discussion autour du rôle de l'intermédiaire. Et pour être honnête, même le mot intermédiaire, le terme, est un défi, car pour de nombreux collègues dans l'organisation, nous agissons en tant qu'intermédiaire, donc nous réfléchissons à ce que cela veut dire exactement. Mais bien sûr, nous échangeons avec les organisations, car si nous souhaitons agir de façon plus participative, nous rapprocher des communautés, eh bien nous devons être et agir aussi localement que possible. Et pour clore, par rapport à l'ambition, je crois que nous avons un impératif moral d'être ambitieux. Il n'y a pas d'autre façon, mais nous devons peut-être jongler avec l'ambition, l'utiliser, exploiter de façon positive et nous assurer que chacun peut faire mieux en interne et que tous ensemble, nous allons pouvoir aborder toutes les problématiques et tous les défis auxquels nous faisons face. Nous devons réfléchir à comment développer notre système pour l'améliorer et bien sûr améliorer la responsabilité. Nous l'avons entendu ce matin et je suis tout à fait d'accord. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la passion que nous avons déjà. Merci beaucoup. Nous nous rendons compte que les signataires du grand compromis se rendent compte qu'il y avait des problèmes pour pouvoir remplir leurs engagements. Et ils commencent maintenant à
corriger ce qu'ils ont fait et les questions auxquelles ils sont confrontés. Et ceci nous fait penser que le processus et idéalement l'engagement et les signataires du grand compromis, les ONG locales, les organisations internationales travailleront ensemble pour remplir les engagements et trouver la réponse humanitaire nécessaire et le développement. Et j'aimerais saisir cette opportunité pour remercier ACFA qui nous donne l'opportunité en tant qu'ONG locale de faire entendre nos voix à l'international. Merci. Merci infiniment. Chers collègues, merci. Merci pour vos partenaires. Et la discussion va continuer, le travail va continuer. Et le potentiel est là et nous avons maintenant besoin de faire en sorte que tout réussisse. Merci pour votre participation au panel. Nous pouvons enfin clore le panel. Nous avons dépassé le temps beaucoup. Nous devons être un petit peu rapides avec le déjeuner. Mais but we do have a little less than an hour. Lunch is on site though, so that hopefully is something that can be done. But we'll go ahead and break now. Thank you very much. Yeah, please. Yeah.